show à venir. Bienvenue pour ceux qui s'attendent de venir écouter un bon show. Le 22 mars. À 20h. Ouais, 20h, c'est bon d'arriver vers 20h, comme ça on va avoir le temps de jaser puis boire un petit peu de bière avant. Ouais. C'est sûr, c'est un jour de la semaine, mais. Es-tu DJ là-bas, c'est eux autres, des DJ, hein? Ouais. Mais nous autres, on embarque sur le stage. En tout cas, moi en premier, Hi John, vers 8-9h. Ensuite, c'est Monsieur Robert qui va venir faire le show. À pas manquer. À l'Asile, Joliette, le 22 mars. L'Asile, ouais. Ça a l'air cool comme place. Je suis jamais allé, mais ça a l'air vraiment cool. Puis Joliette, je connais un peu. Ça... J'ai hâte de voir ça, en tout cas. Oui, on va faire de la musique. On va s'arranger pour que vous grooviez. Hey, on se présente. On s'est même pas présenté. Oui, c'est... Vas-y, je te présente tout. Je m'appelle François-Xavier Michaud. Je suis un Longueuilois. Alors, il me fait plaisir de rencontrer du monde de Joliette. J'ai bien hâte. Puis mon groupe, ça s'appelle Monsieur Robert. On a une formation de 5 environ personnes. Puis on fait de la musique psychotronique et active. Moi j'aime bien en ce cas, Monsieur Robert. On a du fun. Ah, c'est, ça vaut à peine ce jeu là, 22 là. 22 mars, Joliette, l'Asile, ça vaut à peine ce jeu, Monsieur Robert. Checker en bas de l'écran, ici, non, ça compte ici. À côté du cop de Bacardi, on va faire une petite pub Bacardi. Bacardi. Mais à côté de Bacardi, il y a l'adresse de M. Robert, monsieurrobert.com. Et maintenant, hijohn.ca. Yeah! Fait que, allez voir ça, allez écouter la musique un peu, puis moi en tout cas, je crois que ça donne les choses, ça va être le fun. Ben, toi, présente-toi maintenant! Ok, moi c'est Eric de Hi John. Eric de Hi John. Allez voir le site, hijohn.ca, on est aussi sur MySpace, fait que si jamais, ben, sûrement si vous voyez la vidéo en ce moment, c'est parce que vous avez eu un message de MySpace pour l'invitation. Vous savez, dans le groupe M. Robert, on est un peu brunesque des fois, là, drôle, là, etc. Mais avec Hi John, ce qui est bien, c'est vraiment plus d'émotions qui passent. Ouais. Mais je pense que c'est ça qui va être top parce que ça balance. Comme toi, ça va être. Tu sais, ça va être un peu plus léger, plus humoristique, plus. Tu sais, ça donne un goût de danser. Puis moi, mon truc, c'est plus émotionnel, c'est plus quelque chose que tu écoutes avant, tu sais, comme pour inspiré, puis comme de la nostalgie, puis juste penser un peu, puis après ça, musicalement, c'est comme vous autres, ça va faire, ça va lever, puis ça va... C'est un mix. Ouais, c'est ça, je pense que ça va bien se compléter. Ouais. Hey. Ouais. On essaie de faire semblant de prendre Second Cup. C'est pas nos commanditeurs, mais dans le fait, j'ai volé à temps, c'est le Second Cup. Faut pas le dire. Je pense que c'est ça, on a fait le tour. Je vais profiter de la magie de la caméra. Ok. Ah! Ah! C'est... Wow! Fuck la technologie. Moi ça me fait peur des fois quand ça arrive, parce que tu fais juste un move avec un son, puis ça peut, moi je suis pas capable, mais une chance, parce que quand ça arrive, moi je me sens vraiment déplacé après. Ressais-tu? Ça m'a donné mal au cœur. Non, prends, regarde, détends-toi. Ah non! Ok, non, on arrête, c'est mieux, ça donne mal au cœur. Okay. Ça cool. On en parlait tantôt, on pourrait faire un broadcast sur MySpace, on n'est pas sûr non, comment le faire, mais on pensait faire ça genre sur la caméra, ça serait cool. Ok, cool. Ouais, tu sais, comme. Si on le fait, on va vous tenir au courant, on va envoyer un message au plus de monde possible pour qu'ils puissent venir voir ce que ça donne, puis. Ça pourrait être cool, un broadcast, hein. Je vais essayer ça en tout cas. Oui! Oui, ça va être le fun du broadcast. Ouais. Comme autrement dit. Comme live, là, tu sais, pas comme là, ça c'est assez. Vous allez pas juste venir un show, mais vous allez venir voir un événement qui va être broadcasté live. Ouais. Ce qui va arriver, c'est que vous allez venir à un concert qui va être broadcasté live et qui, de ceci, sera écouté dans d'autres pays. Ouais. Parce qu'on a des auditeurs dans d'autres pays. Grâce à MySpace. Non, mais c'est vrai. Ça serait, moi, en tout cas, on va essayer, mais ça serait vraiment de placer la caméra puis de la faire passer dans ton laptop.
que le monde puisse l'écouter. Ce n'est qu'une question de volonté. Ouais. Ça devrait être possible. Guns N' Roses, influence. Tu m'as demandé des influences Guns N' Roses pendant un bout. De... Quoique Bacardi nous a influencé à plusieurs reprises. Ouais, pas? Bacardi. Ouais. C'est ça. Fait que on sort le 22 à Joliette. C'est un jeudi. Venez oui. Venez voir ça. Ça vaut la peine. Puis venez nous dire salut. Non, non, fini, ça va être. Moi j'ai hâte en tout cas. C'est, moi en tout cas, High John ça va plus être acoustique parce que là en ce moment on a un problème de drummer. Là. Mais. C'est quoi? Faut que tu fasses le texte, on cherche un drummer. Ok, ouais, bon. Puis, c'est ça, en ce moment on cherche un drummer. Il y avait une saleté dans le coin. Puis donc c'est ça, ceux qui ont envie de qui aiment la musique puis qui aiment la musique de High John, écrivez-nous. Si vous connaissez quelqu'un qui est drummer, écrivez à High John. C'est eric@highjohn.ca. L'adresse est ici. À côté du cop de Bacardi. Mais t'as-tu un autre show qui est pas public, qui est pas privé? T'as une minute, je me concentre. Ah. Ça va marcher. T'as-tu vu ça, man? Ouais, fait qu'il est 4 ans. Ah oui, on a un show! Ouais. Ah non, c'est vrai. Ok. Moi, j'en ai un autre le 29 à Montréal, le 29 mars, puis le 14. Avril, au Barfly. Mais ça, je vais revenir là-dessus, je vais mettre ça sur MySpace, sur le site de High John et tout ça. Moi, je continue en tout cas, là, fait que pour ceux qui sont vraiment qui aiment la musique ben, de High John, ben, faites-vous en pas. En tout cas, c'est mon rêve, je tripe bien gros, fait que c'est sûr. C'est que, un arrêt temporaire. Bon, même pas un arrêt, c'est comme un. Il manque juste un aileron sur le char, j'en ai pas vraiment besoin. Le char, il avance. Ouais, il avance, man. T'as pas besoin d'un aileron. Des fois, tu vois des chars dans eux. C'est des petites crises de char lait. Puis un S, gros aileron. T'as pas besoin d'un aileron. Puis moi, c'est un petit crise de char lait. Mais je l'aime, mon petit crise de char lait. Mais je l'aime même à Civic. C'est un petit crise de char lait. Qu'est-ce qu'ils ont, je crois, que je pense que je vais vous dire. Ils sont cool, tes lunettes, en tout cas, man. Ouais. Check ça, man. Il me semble qu'il est rendu grosse par rapport à ça, ta tasse. Pas personnellement à toi, ta tasse est vraiment grosse. Comme ça, ça prend. Éric Mayotte! Non, non, non! Éric Mayotte! Tape des mains, tape des mains, fais quelque chose!